dit bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Des tamponnages. Ouais. On va faire du scrapbooking. On va faire un cadeau pour la fête des papas. On va faire un cadeau pour papa. Maman. On va faire de la peinture. Ouais, tu veux faire de la peinture? Là, juste ça, on va la plier. Hop. C'est de l'aquarelle. L'aquarelle, il faut Oui, il faut mettre de l'eau. De l'eau. Il faut que je retrouve mon petit chip-chip d'eau. Oui, si tu veux. Oui, ça, c'est pas le chip-chip d'eau, mais il y a un bébé pinceau dedans. Un bébé pinceau. Là, tu peux mettre un bébé pinceau et on fait, maman. Oui, tu peux le prendre si tu veux. Tu prends celui que tu veux. Tu mets du rose pour papa? Sur ta feuille. Attends, tu peux pas prendre les deux pinceaux en même temps. T'en prends un? Quelle main? Celle-là? D'accord. Vas-y, tu fais du dessin? Tu veux venir en peinture? Tu veux essayer de faire le pochoir? Ça, avec les petits cœurs. Ah, les petits cœurs. Oui, on essaye. Avec de l'encre. Quelle couleur? Noir. Noir? Non, j'ai pas. Il y a bleu. Le rouge. Le rouge. Ouais. Le rouge. Alors, c'est pas tout à fait rouge, mais presque. Alors, je te montre. C'est compliqué, hein, je pense pas. Bon, on fera ce qu'on pourra. Regarde, il faut mettre de l'encre, comme ça. Touk, touk, touk. Après, on met le pochoir. Et puis, on fait comme ça. Tu fais comme ça? Ouais. Vas-y, il faut appuyer. Tu mets de l'encre. Voilà. Voilà. Et après, tu... Vas-y. Super. Voilà. Vas-y, là où il y en a... Non, là, sur ta feuille. Voilà. Bravo. On va bouger le pochoir. Regarde ce que ça fait. Oh, plein de petits cœurs. On en met de l'autre côté. Vas-y. On en met de l'autre côté. Non, pas l'autre côté, maman. Ah, pas l'autre côté. Ok. C'est beau. Ça fait des ronds. Maman. C'est bon. Tu veux faire quoi? Retourner sur la peinture. Maman, je viens ici. Ça, le scotch, le masking tape. Attends, je vais te faire des bouts, je vais te faire des bouts. Tu veux celui-là? Sinon, j'en ai d'autres. Regarde. Hein. Ceux-là, par exemple. Hop. Oui. Tu veux lequel? Tiens. 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 Tiens, maman. Celui-là? Allez. Masking tape. Masking tape, oui, c'est ça. Tu veux des gros bouts, des petits bouts? Les gros bouts. Les gros bouts. Il faut les gros bouts, maman. Vas-y, maman. De rien, ma chérie. Encore le café. Encore le café. Tiens, il y a une belle lune. Oui, maman. Oh. Oh. Super. Ma lune, une autre. Un autre? Non, maman. C'est toi, d'accord. Bravo! T'as pas fini ton scrapbooking? Non. Papa, on peut faire du tampon cœur. Ouais, on fait du tampon cœur. En rouge, comme les autres cœurs, ou une autre couleur? Non, on n'a pas mis d'encre, Olivia. Il faut choisir une couleur. Du comme ça, ou du noir, ou une autre? Si, une autre. Une autre? Ouais. Mais quelle couleur tu veux? Si, à quoi? Le tampon, le tampon. C'est bon.
Voilà. Tu le fais où ton cœur? Là, ici à côté. Ah oui. Est-ce qu'on met des petits autocollants? Oui. Hein. Un ballon. Un petit étoile. Un ballon. Un papa, il aime bien les renards. On met un renard? Il est beau celui-là. Maman, je veux aller. Tu veux quoi? Le chat? Voilà pour mon tapoté. Attends, pas une nuit. Pas une nuit pour maman. Bon, tu veux. Il va être dur à couper celui-là, ma chérie. Il est pailleté. Je vais t'aider. Un gros bout? Ouais, un gros bout. Voilà. Merci, maman. De rien, mon cœur. Tu veux que je t'aide? Ouais. Ouais. Merci, maman. Merci, maman. De rien, bébé. Tiens. Le rose pailleté pour papa. Ouais. Il est content, papa. Ouais, là, là, il est content. Mmh, il est content. Attends, je vais t'aider. Oh non, celui-là, il est pas terrible. Ah, il dit ah, maman, il dit maman. Ah non, pas celui-là, regarde, il colle partout. Ça. Ah, ouais, regarde, il est pas terrible celui-là. Bah non. Ouais, choisis un autre. Il a les étoiles. Les étoiles? Ouais, les étoiles. Les étoiles. On peut remettre des autocollants, vas-y. Tu mets des... Oh. Oh, regarde, là, il y a toute une famille renard. C'est joli, ça. Mais regarde où tu le mets quand même. Tu mets n'importe comment là. Bah non. Ah bah non. Tout du mal, papa, yo, yo. Tout du mal, papa, yo, yo, yo. On reprend ceux-là? Ouais. Ouais. Regarde, joli, maman. C'est joli, ma chérie. Papa, il va être content. Regarde, hein. Joli, maman. C'est trop joli, ma chérie. Tu fais le tampon? Ouais. Regarde, joli, maman. En marmotte? Ouais, en marmotte. Toi, oui. Là, tu m'as. Toi, il y a mon bébé. C'est toi qui l'as fait. Maman, il l'a fait. C'est trop joli. Hein. Ça. Ça, c'est pour nettoyer les tampons, ma chérie. D'ailleurs, je vais nettoyer un peu l'intérieur. Là, parce que... Maman. Pourquoi? Est-ce que tu as fini ton scrapbooking? Non, pas fini, mais ça te peut dire, maman. Alors, lequel on fait en bleu? Celui-là? Allez. Non, pas celui-là, maman. Pas celui-là. Mais des étoiles! Tia. D'accord, vas-y. Non, pas celui-là. Tia. Tia. T'aimes bien celui-là? Ouais. Ouais. Allez. On met du bleu. Hop. Vas-y. Et le mets où? Il y a un appel. Où? Vas-y. Super.
super. Voilà. Tiens. Allez, tu le mets où? Là. Voilà. Encore un? Non. Viens, on va le faire là. On le fait là? Oui. Tada! 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 Tada, non? Tada, oui. Tada, non? T'es une chipie, toi! Voilà, tada! Alors, c'est un tada oui ou un tada non, celui-là? Un tada non. Un tada non. Tu veux faire celui-là? Attends, oh, attends, je range. Tiens. Celui-là. Mets la poubelle. Non, 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 mais pas la poubelle. J'en ai encore besoin après, ma chérie, de ça. Encore maman et mon poulain. Oui, on va arranger. Maman va y ranger après. Voilà, on arrête. On a fini le cadeau pour la fête des papas. Ouais, ouais. La fête des papas, on dit au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai Olivia et maman. J'ai Olivia et maman. Voilà, Olivia a terminé sa partie. Elle a fait un joli scrapbooking. Là, c'est l'heure de la sieste. Elle fait dodo, je vais pouvoir finir le cadeau pour la fête des papas. C'est parti. Donc, j'ai acheté un cadre. Donc, le format, ce sera le cadre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper le scrapbooking d'Olivia à la taille du cadre. J'ai imprimé une petite photo avec son papa que je vais mettre sur le truc là. Et puis, je vais tamponner des mots pour mettre tout autour du cadre. Et déjà, hop, déjà voir à combien on va découper le fond. 18-13. Je vais coller la photo. Bon, pour le fond, il n'y a pas grand chose à faire puisque c'est Olivia qui a fait tout le boulot. Voilà, magnifique. Je vais remettre ça pour que ça tienne bien. On remet, hop, ça dans le bon sens, tant qu'on est. Voilà. Comme ça. Et là, je vais faire mes petites décorations avec la deuxième partie de la feuille que j'ai découpée tout à l'heure. J'ai découpé un 4 en 2. Et je vais tamponner avec un petit alphabet en bois. Alors là, ça va prendre un peu de temps parce qu'à mon avis, je vais devoir faire plusieurs tentatives. Parce que c'est pas facile les alphabets comme ça avec le truc en bois. On ne voit pas où on tamponne. Et donc là, je vais tamponner différents papas, donc les papas qui définissent
qui définissent le papa d'Olivia. Et puis, pour les coller tout autour. Allez, c'est parti. Au final, je me suis rendu compte que ça n'aurait pas passé dans les cadres si le cadre que je voulais utiliser. Donc en fait, voilà, le but c'est de faire plein de petites étiquettes comme ça. Là, j'ai mis papa joueur, il y aura papa d'amour, papa cristaux, qu'est-ce que j'avais dit, papa blagueur. Et puis de les coller sur le cadre, peut-être si j'en ai quatre, je les collerai aux quatre coins, ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc au final, j'ai tamponné papa, et là je l'ai écrit à la main le mot en dessous. Je vais faire les suivants comme ça. J'ai mis 4 papas. J'ai pas gommé aussi. Donc en fait, pour essayer de tamponner à peu près droit, j'avais fait une ligne au crayon gris. Et j'ai essayé de suivre cette ligne en mettant mes lettres avec la base de la lettre en bois. C'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave, ça fait un charme vintage, du coup j'aime bien.
C'est un petit peu le thème. Donc en fait, il y en a deux que j'écris à la main. Parce que ça n'aurait pas passé avec les tampons. Les mots sont trop grands. Par contre, j'avais deux petits mots, Papa Cuisto et Papa Geek, qui eux pouvaient passer avec les tampons. Et du coup, je trouvais que c'était sympa aussi de les mettre aussi avec du tamponnage. Donc voilà, ça me fait quatre petites étiquettes. Que je vais pouvoir coller aux quatre coins du cadre. Cadeau vite fait et bien fait, super facile à faire. Les enfants peuvent participer. Selon l'âge, ils peuvent aussi participer à la réalisation du cadre. On peut évidemment ajouter d'autres choses si vous voulez mettre plus de déco sur le tour du cadre. Moi, je vais m'arrêter là. Et puis voilà, c'est personnalisé. Et puis c'est tout mignon pour la fête des pères. C'est parfait. Voilà, et bien... C'est terminé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !